Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Total War Warhammer 3, série qu'on va jouer en multi avec Féa. Salut Féa! Salut tout le monde! Et série sur laquelle on va jouer les humains, l'empereur Karl Franz de mon côté et le roi Loin Cœur de Lion du côté de Féa. On va jouer avec une partie un petit peu modée. Avec plusieurs modes, vous trouvez en description, je vais faire un petit pack de modes si vous voulez les utiliser. Bon, il y a du mode cosmétique, on reviendra dessus éventuellement en jeu, mais surtout, les deux grosses modifs qu'on prend, c'est le Tabletop Caps. On va jouer avec le Tabletop Caps qui met des limites sur les unités. On voit d'ailleurs avec Karl là, un petit peu, on verra ça en jeu plus en détail. Qui fait qu'en fait, les unités ont différentes valeurs et on ne peut prendre que une certaine valeur de chaque type d'unité dans notre armée. Dans chaque armée, ce qui va permettre d'éviter d'avoir des armées full tier 3 ou genre de trucs et qui du coup redonne un petit peu plus de piquant à la campagne. En gros, les unités, ça permet d'avoir des coûts d'unité un peu similaires au jeu de plateau, quoi. C'est basiquement, pour ceux qui connaissent le jeu de plateau. Et on prend également le deuxième gros mode qu'on a choisi qui va modifier le fonctionnement, c'est un mode qui modifie le fonctionnement de l'IA dans les sièges. Et qui change un peu également les mécaniques de siège. En gros, l'IA va avoir plus tendance à attaquer pendant les sièges plutôt qu'attendre 100 ans pour que l'attrition fasse le taf à sa place. Et du coup, en échange, les bâtiments de villes qui font des protections, etc., sont plus costauds. Et également, gros changement, mais qui est quand même un peu plus logique, c'est que on ne pourra construire des bâtiments défensifs, vous savez, les tours, les barricades et tout, que avant le début de la bataille. Donc on gagnera pas de points au cours de la bataille, enfin nous ou l'IA d'ailleurs, hein. Le défenseur gagnera pas de points au cours de la bataille pour construire de bâtiments supplémentaires. Par contre il commence avec plus de points et il doit construire avant, il doit cramer tous ses points avant le début de la bataille, hein, ce qui est quand même plus logique hein, dans le concept au final, et qui est assez sympathique. Bah, comme les anciens. Ouais, comme les anciens quand il y avait des barricades à poser, parce qu'on avait des techs etc, ouais tout à fait. Et autre aussi, c'est qu'on va pouvoir construire plus facilement des armes de siège. Oui, c'est vrai que les aligner 8 ou 10 tours d'un coup là. Les armes de siège se construisent aussi beaucoup plus vite, donc ça, je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes d'équilibrage. On n'a pas pris du coup de mode qui remet des murs ou quoi que ce soit sur les tiers 1 ou tiers 2 de garnison, donc il n'y aura pas forcément tout le temps des batailles de siège épiques, mais on espère qu'on va pouvoir en montrer quand même un peu plus que dans une campagne classique. C'est ça, et que ça va faire des petits points durs, un peu difficiles à prendre, des moments, et que ça sera... Ouais, bah surtout qu'en plus, là où on va jouer, il y a quand même pas mal d'endroits un peu défensifs, là, sur la chaîne montagneuse, des goulots d'étranglement, etc. Donc, Et t'as tous les forts, également. Tout à fait, je pense que ça peut être fun. Pour les paramètres de la campagne en elle-même, on va jouer avec la difficulté de campagne normale, classique, parce que c'est la plus équilibrée et la plus fun. En tout cas... Oui. Les différents tests que moi j'ai pu faire, et par contre en bataille on va mettre élevé histoire qu'il y ait un petit peu de challenge quand même. Au niveau des paramètres... Ça va faire en sorte que tous les malus des bretoniens en termes de morale avec le nouveau patch se sentent bien. Ouais mais t'as plein de bonus de masse et de charge etc. De cavalier setup mes futures excuses, excuse-moi. tu ne pourras pas les prendre parce qu'avec tabletop tu pourras pas les prendre mais... J'avoue... Non mais j'ai une technique, je vais faire 50 seigneurs et ils ont chacun leur Graal et puis voilà. Bah c'est l'avantage, c'est vrai que c'est le gameplay des bretoniens. Je pense que le gameplay des bretoniens va être encore plus poussé comme ça avec le fait que les armées supplémentaires leur coûtent rien. On va jouer avec la fin de partie, cette fois j'oublie pas, hein, comme dans le multi avec Katox où on a joué jusqu'au tour 120 en se disant putain mais elle est où la fin de partie avant de se rendre compte que je l'avais décoché au début de la campagne. Donc cette fois c'est bien coché. On la lance vers le tour 90, notre objectif c'est de tenir au moins jusque là. Si jamais on voit que ça devient un petit peu chiant avant, on avisera. Mais on a choisi nos crises de fin pour que ça soit intéressant. Donc ça sera soit une vague d'orques, soit des vampires qui s'énervent, en espérant que ce soit des vampires pas trop loin. Soit une flotte vermine, et on a aussi laissé la dernière qui arrivait avec le DLC Nain du Chaos pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Normalement il y a des portails qui nous permettront d'éventuellement aller chercher leur fort etc sans traverser toute la map parce que nous on commence là et les nains du chaos ils sont quand même plutôt par ici ou par là quoi. Donc après, c'est-à-dire qu'on fait la croisade. C'est ça, on lancera une croisade s'il faut. La grande croisade bretonienne. On va faire un petit point vite fait sur les unités qu'on prend, enfin les seigneurs qu'on prend. Donc du coup moi je prends Karl Franz, l'empereur Karl Franz.
Donc comme vous pouvez le lire depuis le début de la vidéo, hein, des meilleures relations diplomatiques avec l'Empire, un bonus de prestige, 2 au rang des seigneurs recrutés directs et 10% de déplacement pour toutes les armées, ce qui est pas mal. On a également comme avantage avec le tabletop qu'on pourra recruter les joueurs d'épée en vert plutôt que en bleu. C'est juste dommage que l'unité soit mauvaise, mais bon. Bah quand même, c'est pas... ça va quoi. Faut bien l'utiliser, c'est sûr que... Oui. On peut se reconstituer en territoire neutre, ce qui est pas mal. On a moins 25 d'entretien du coup pour la Regrise et les joueurs d'épée, donc c'est les mêmes, hein, les joueurs d'épée là. Greatsword des joueurs d'épée. Nos Redsguard des joueurs d'épée ont gardien comme capacité passive et on a un bonus de charge de 10 qui va encore renforcer les joueurs d'épée. Et Bonus de donc... charge de 10, c'est quand même pas mal. De ton côté, Ah bah de mon Bretonnie. côté, j'ai de la déplacement. Alors attends, Donc je est-ce vais que le je peux dire le vite fait. prendre? Ouais, bah, je le montre à l'écran, vas-y, si tu veux. Ça. Donc on aura un peu plus de vitesse de déplacement sur toutes mes armées. Donc ça c'est toujours pratique, surtout si je veux venir t'aider. Bon, Monseigneur Légendaire va augmenter les chevaliers de la quête. Bon, c'est pas vraiment. Enfin, je pourrais en prendre deux fois plus si j'ai envie. Ah oui, ils sont Je pour un gagnerai bleu au plus lieu de de deux bleus, chevaliers. ok, je vois. Ouais. Je vais pouvoir avoir tous mes serments. Donc ça veut dire que si j'arrive à monter couronne très vite et que je fais des gros bâtiments, je pourrais mettre des vraies unités dans l'armée de loin tôt dans la partie si j'arrive à bien monter la ville. Bien sûr, plus de commandement contre les démons, les guerriers du chaos, les nains du chaos, les morts-vivants du Les chaos et méchants, les quoi. pouvoirs du chaos. Voilà. Oui, je sais, je rajoute du chaos partout parce que c'était plus cool. Et bien sûr, mes guerriers du chaos et tout ça, bah, toutes mes armées auront un bonus de BD de plus 8. Donc c'est vraiment une armée à thème, quoi. C'est une armée anti-chaotique. Et un bonus de plus 8 et plus 2 de commandement, c'est quand même, Ouais, c'est quand même un peu vénère. c'est quand même pas mal, ouais, j'avoue. Surtout contre des unités qui Ouais. ont tendance à justement faire baisser le commandement. C'est ça. On va dire que c'est quelque chose d'un peu. Voilà, c'est une partie un peu vanilla, quoi. Je veux dire, c'est un seigneur de guerre très, très basique. Mais par contre, je commence avec la bénédiction de la dame qui a été réformée. Alors avant, ça donnait un plus 20% de résistance physique. Maintenant, ça doit donner un plus 12 ou un truc comme ça de résistance ultime. À voir ce que ça donne en jeu. Non, c'est pas mal, hein. Alors attends, je vais reprendre du coup la bonne unité, c'est bon, le Reichland, C'est ça. Et couronne. moi, je me Ça t'a pas mets. jeté, hein, t'as bien, oui, t'as bien couronne, c'est bon. Comme j'avais sélectionné aussi, je me posais la question si on pouvait faire tous les deux la même. On peut choisir Non, tous les deux je la pouvais même pas. faction. Ouais, je pouvais pas mettre prêt. Ah oui, tu pouvais pas mettre prêt, ok, d'accord. Et bah, c'est parti. On va se lancer sur le premier chargement. On va tous mourir. Now, nous survivrons. Et depuis la C'est ça. mer des Griffes au nord jusqu'aux montagnes noires au sud, chaque province de l'Empire est avant tout définie par ses paysages. Ces vastes forêts sont autant une source de nourriture que de matériaux, tandis que ces larges rivières et vallées facilitent commerce et transport. Pourtant, il semble parfois que la terre elle-même s'oppose au progrès, dissimulant des monstres et ennemis de toutes sortes dans ses cols escarpés et ses épais fourrés. Le danger est partout, au sein de l'Empire comme en dehors, mais la nation des hommes, jusque-là, s'est montrée à la hauteur du défi. Et bah y'a plus qu'à comme tirer l'autre. Alors j'ai jamais joué l'Empire, donc je connais pas bien leur gameplay avec les comptes électeurs et tout, donc je vais en profiter pour le découvrir un peu. Oui, c'est vrai que j'avais fermé mon micro. Mais du coup, l'Empire, avec les comptes électeurs, c'est vrai que je l'ai à peine fait. J'avais plutôt joué avant qu'ils mettent cette, il y a très longtemps. Et c'est. Je crois qu'il y a quand même des avantages. Je crois que tu peux faire lever des bannières et tout. Je Ouais, crois qu'il y a bah des je me trucs souviens cool qu'il y à avait des faire avec. critiques sur la gestion au début, notamment sur le fait que faire des confédérations et tout, enfin c'était un peu bizarre à gérer avec les comptes électeurs. Mais je crois que ça a été amélioré, donc du coup... My lady, honor me. Alors, pour les débuts, je te propose qu'on fasse toutes les petites batailles du In the début, name of Magnus. manuellement, Yep. parce que généralement ils nous font toujours des lourdes pertes, puis comme ça va nous permettre de prendre un D'enchaîner. peu en main la faction. Ouais, tout à fait. Bah sachant qu'en plus, moi... J'ai la première faction où j'ai, parce que je l'ai quand même lancé un peu pour tester, où je commence avec The pas nation de héros. calls. J'ai que Karl Franz Bring me to et my son men. armée. Alors que toutes les factions commencent avec un petit agent à côté, qu'en général tu mets dans l'armée pour y aller, quoi, mais là non. Généralement un sorcier, oui, pour un mec comme ça, bretteur. Ouais, mais là non. Alors je vais baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que je le trouve un petit peu fort. Hop, voilà. Summon the Alors du Electocounts. coup nous on a en gros l'autorité impériale qui va être importante
qu'on va gagner selon la manière dont on gère notre empire, hein. Notamment si on conquiert des villes et qu'elles appartiennent à des électeurs, il faut qu'on les rende, etc. On est un peu sur un serg comme dans Europa Universalis 4. Éviter les guerres civiles, rendre des colonies de l'Empire, rétablir des comptes électeurs, etc. Ça va nous donner des points. Et à l'inverse, si on en perd, on va perdre des points. Et du coup, plus l'autorité impériale est forte, vous voyez qu'on commence à zéro et qu'on peut monter que à absolu. Donc on peut pas monter beaucoup, par contre on peut sacrément descendre. Et si on descend trop, on peut avoir une guerre civile. Tous les comptes électeurs vous déclarent la guerre, rien que ça. Et sinon, on a des gros malus, perte de la fidélité des comptes électeurs, de la croissance en moins, de l'autorité en moins, des revenus générés en moins, etc. Pour l'instant, on a une autorité stagnante qui nous fait croissance moins 5 dans toutes les provinces quand même. C'est pas neutre, hein. Donc on va essayer de l'augmenter le plus vite possible. Et grâce à ça, on va pouvoir également se servir de notre prestige, qui représente l'influence du chef de faction, hein, dans le paysage politique de l'Empire. Donc c'est un petit peu similaire à ce que les elfes, les hauts-elfes ont. Et ça va nous permettre de résoudre des événements de manière plus positive ou ce genre de choses au fur et à mesure de la campagne. Yes. Parfait. Et je commence Moi, de avec mon le côté, chez marteau. les Bretoniens, c'est assez basique, hein. J'ai des paysans, j'ai des chevaliers. Quand les paysans fuient, les chevaliers, ils n'ont rien à faire. Quand les paysans fuient, les autres paysans, ils fuient. Parce que la déroute ne vient pas seule, sinon c'est pas drôle. Et pour la dame, nous allons vaincre. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé d'ailleurs le format, excuse-moi je te coupe, mais donc le format, les épisodes, l'épisode que vous regardez là est en ce moment diffusé sur la chaîne, puisque vous êtes en train de le regarder bien sûr, mais on mettra en description, il y aura, alors je sais pas encore si ce sera, je mettrai chaque vidéo ou chaque playlist, ça dépendra des rythmes qu'on arrivera à tenir, mais en gros pour chaque épisode qui sortira sur la chaîne, il y aura un épisode, une vue de Féa qui enregistre également. Que toi par contre tu vas monter pour que ça soit pas un épisode de 30-40 minutes pour montrer vraiment les points intéressants, c'est ça hein. Oui, pour que ce soit plus rapide pour vous, parce que vous avez déjà vu le premier let's play, donc ça serait dommage de. Enfin, ce serait un peu long sinon. Donc ça va être un petit peu monté. Ouais, tu pourras même le rajouter, tu sais, en info i, là, dans les vidéos YouTube, si t'as envie pour que les gens puissent cliquer. C'est vrai. Et puis voilà, ça va être. Si vous êtes curieux de. De ma vue, vous pourrez voir un peu ce que j'ai fait. C'est ça. Donc ce sera normalement. Alors, tu voulais pas le mettre sur ta propre chaîne puisque tu as une chaîne. Yep. Donc ce sera probablement en non référencé du coup sur la chaîne de Jeux du Cygne, mais avec le lien, il n'y aura pas de souci pour la retrouver quoi. Oui, c'est ça. Puis voilà, c'est plus facile pour vous, quoi. Ça permet de voir le let's play si vous voulez directement sur la chaîne, que vous regardez. C'est Sans ça. devoir vous abonner, je ne sais quoi. Et faire le double flou de vidéos. Parce que. Après, sur les abonnements, moi je sais que. Beaucoup de chaînes, donc je limite. Bah oui, de toute façon. Le nombre de vidéos par jour qui peuvent sortir. C'est ça, on peut difficilement tout regarder, hein. Nous on a inconscience, hein, C'est même. clair. On se vexe pas, hein, y a pas de souci là-dessus. Quand tout le monde ne regarde pas nos vidéos. Alors là, vous pouvez voir hein, dans l'armée de Karl Frenz que j'ai dépensé 4 sur 4 points bleus sur les 10 possibles. Donc une rearguard vaut 2 et un mortier vaut 2. Pour l'instant, j'ai aucun rare point. Par contre, mes joueurs d'épée qui normalement vaudraient un point bleu, du coup, sont en vert. Donc les verts, on peut en mettre autant qu'on veut. C'est même pas indiqué du coup le nombre. Et bien sûr, je vais omettre le fait que j'ai une super sorcière badass du ciel, contrairement à Karl, mais je n'ai que 2 points bleus et 0 violet dans mon armée. C'est les Pégases Voilà. qui coûtent 2 points bleus. Ouais. Oui, donc Exactement. les chevaliers errants et les chevaliers du royaume, c'est du vert, ouais, donc c'est pas mal quand même. Alors en fait, ouais, c'est du tiers 2 et 1, mais c'est pas du vrai tiers 2 et 1, c'est vraiment de la cavalerie de base. Ah, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de cavalerie dès le début, quoi. Oui, l'avantage c'est que ça prend pas de slot bizarre, donc au moins je peux en mettre dans mes armées. C'est ça. Bon, bah écoute, à l'assaut! À l'assaut. Alors, on a dit, on a fait. Je vais sauvegarder au cas de crash toujours, hein, parce qu'on est en let's play, donc ça peut arriver.
Alors au Alors, niveau des conjoint modes d'attaque. cosmétiques, on peut en parler vu qu'on va être en bataille. Donc bon, on est en allié dans la, on est vraiment en coop, hein, donc Féa ne pourra normalement jamais rejoindre l'adversaire, il peut que rejoindre de mon côté. Au niveau des modes cosmétiques, oui, pardon, je reprends. C'est des modes qui notamment vont servir pendant les batailles. Donc on a mis un petit mode qui ajoute des animations pour recharger. Pour les unités de tir, donc par exemple notamment les arquebusiers, là maintenant vous allez voir, ils ont une petite animation, on les voit recharger leur arquebuse et tout, on ira zoomer dessus, c'est vraiment sympathique. Il y a le mode habituel dont je me sers, le Better Camera Mode, bon j'oublie en général de me servir dans les batailles parce que je suis concentré dessus, mais qui permet théoriquement de zoomer sur les unités un peu mieux, etc. Donc Ouais, faire des beaux zooms. on en profitera pour faire des belles vues cinématiques, certainement plutôt sur les armées bretonniennes pendant que Féa fera les batailles, plutôt que sur les miennes. Mais on fera des zooms. Je ferai des zooms. Allez voir ma vue. C'est ça. Et du coup, on a aussi deux autres modes qu'on a ajoutés pour faciliter. Par faciliter, on a un mode pour pouvoir respécialiser les seigneurs. Donc qui nous permet avec un bouton de libérer tous les points de. Bon là, Kalfrin c'est level 1, mais. De libérer tous les points d'un seigneur pour le refaire comme on veut, ce qui sera utile quand on confédère, etc. pour pas repartir avec des seigneurs level 30 qui ont été montés par l'IA. Et également un moyen de faire les batailles de quête en auto. Puisqu'il y a certaines batailles de quête qui sont buggées en multi et qu'on voudrait pas rester bloqué là-dessus pour une connerie, donc bah, si jamais une quête plante en multi. On aura la possibilité de la faire en auto quoi. Ce sera un C'est peu ça, moins ce épique sont des forcément, options, mais. voilà, qui permet d'assurer, hein, on va pas forcément les utiliser, mais voilà, elles sont là. C'est ça, comme ça on est sûr si jamais y a emmerdement, on n'arrête pas le let's play pour une bêtise quoi. Ouais. Alors est-ce que t'es plutôt gérer la cavalerie, le tir, l'infanterie, tu t'en fous Alors, en fait, j'aime plus ou moins tout, mais c'est vrai que généralement, quand c'est pas moi qui ai le chef de bataille, le seigneur de guerre, j'aime bien prendre la cave parce que bah, c'est beaucoup de micro-gestion et c'est rigolo la micro-gestion quand t'as qu'une seule unité. Ça me va, je te passe la cave du coup. C'est ce que je fais en général aussi avec Katox, donc pas de soucis pour Je vais moi. même. Est-ce que je. Ah, non, c'est trop long si je passe par là. Ouais. Non, je vais aller par là, je vais rester par là. Alors moi je pense que je vais faire un petit mouvement de flanc avec unité d'arquebusier et unité de. Et mon unité de joueur d'épée. Je vais passer par le haut de la colline là. Pour essayer de tomber un petit peu sur les côtés. En face, il a quoi? Il a un guerrier arbalète et des gens au contact, plus son chef. Oui, bon, ça devrait pas être extrêmement complexe. On va avancer lui, comme ça il tirera un peu plus longtemps. Et bah, c'est parti. Que vaut ta cavalerie? Normalement, c'est la Reichsgarde, hein, donc. 120 d'armure, c'est quand même pas. 120 d'armure seulement, attention, s'il vous plaît. 120 d'armure pour une vitesse de 78, c'est quand même pas dégueu, je trouve. Bah c'est la Race Guard, hein. C'est censé être le. C'est pas de l'élite Ouais, mais parce par qu'elle exemple, aux est que en chevaliers du bleu, chaos et mais. autres, ils sont beaucoup plus lents. Le mortier qui fait le taf dès le début, hein. 72, ah ouais, elle est vraiment bonne. Je me souvenais qu'elle était pas si bonne que ça avant. Bah ça fait Je la partie, trouvais. elle a aussi bénéficié du dernier patch avec l'amélioration des cavaleries, hein, donc. Ouais, bah ça se voit. Avec les gros bonus de. Allez, tire là-dessus. Vous, j'aimerais bien que vous couriez. Pareil pour vous. Ça commence à tirer. Bon bah les archers, je pense qu'ils sont morts. Hein. Ouais, bah ça me va tout à fait, hein. Je comptais plus ou moins que tu t'en occupes. C'était un petit peu mou quand même, c'est à cause des. Il est en train de te Ouais, faut charger qu'il avec charge de beaucoup. ça. Est-ce que je peux me mettre là? Non, ça sert à rien. J'ai même pas regardé d'ailleurs, il a quoi? Le croc unique du Recklinghe, plus d'attaque en mêlée, plus de commandement sur 35 mètres. Vas-y. Fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. La charge des lanciers avec la cavalerie. Toujours un grand Ils classique. étaient en mouvement, tu sais, regarde. Ouais, je sais. Tu préférais les défoncer de l'intérieur, enfin, tu sais, de front que d'être bloqué, tu sais, au corps à corps. Ouais, non mais tu les as traversés, t'as rien perdu de toute façon, donc c'était Oui. légit, hein.
Karl, va t'occuper d'Edmund plutôt que taper sur des péons là. On a des péons pour s'occuper des péons, c'est pas un problème. Bon là on n'a pas un angle de tir parfait, il n'y a que la moitié de l'unité qui peut tirer, mais ça fait le taf. Donc, aller aider par là. Karl, arrête de rouler sur place là. Il y a des mortiers qui... Ouais, on va arrêter le mortier là. Faut qu'il se détende un peu. Ah merde, ça se reforme à gauche. Hop, on va tirer dessus. Ça devrait bien se passer, je pense. Ouais, parce que la Resguard, mine de rien, t'as perdu un peu de vie, mais zéro unité, quoi. Exactement. Donc ça va. Oui, bah quand j'ai vu les 120 d'armure, je me suis senti confiant. Du moins, et les 72 de charge. Bon. C'est vrai que même Karl, il a que 100 d'armure. Bon, on va pas. À part le chef, il reste pas grand chose. Avec une fois, on aurait pu l'utiliser pour courir un peu après les lanciers, mais. Je crois que la première bataille, tout est détruit. Oui, c'est vrai qu'il essaye pas de reculer et tout, donc. Il doit être considéré comme. T'as 24 pertes, ça va. Hein. Oui. Un bel équilibre dans les kills, globalement, c'est propre. Mmh. Ouais, Redguard a pas fait tant de kills que ça, mais même si elle a un gros muscle de charge, je crois que j'ai pas vérifié ces types de dégâts, mais. Ouais, bah elle a bousculé les archers, on les a vu voler un peu, mais après, en termes de dégâts, ça dépend de sa masse aussi. En plus, c'était un petit peu en pente. La... À avantage des archers. C'était un petit peu en pente, ouais. Alors, elle fait plus de mal finalement en charge arrière lorsque j'ai tapé dans. Quand j'ai fait le marteau. Mais ouais, attends, quand je regarde vite fait tes unités, la Red Guard, bah, puissance des armes 40, c'est pas fou. Aussi. 12 de pénétration d'armure, 28 de non. Pénétration d'armure. Allez. Bon bah. Est-ce que je lance ma petite bataille à moi? Vas-y, je vais encercler, on fera la blasso après, si tu veux lancer ta petite bataille. D'accord, parfait. Sur Moussillon. Je rejoins l'équipe. Du coup là, il y a du zombie. Donc ça casse la cavalerie, faut esquiver. Là, de la goule qu'il faudra tuer avec les cavaliers ou les archers. J'ai une unité d'archers. Il a quand même deux unités de cavalerie. Bon, ok, t'en as cinq, mais. Ouais. Il y a deux unités de cavaliers noirs qui sont un peu méchants, mais je pense que les chevaliers de la quête vont juste les prendre un par un. Et, ouais, limite, ton problème, c'est que t'as pas beaucoup d'unités de front pour tenir la grosse masse de zombies. Mais... Ouais. Je vais essayer de faire une mini balls et puis après. On va envoyer la cavalerie faire des charges dedans, je pense. Ouais, si on peut gérer assez vite le vampire en plus. Ouais. Comme les zombies, c'est pas très rapide, je vais essayer de les. Ah, y a pas mal d'armes par contre, ça c'est pas cool. Ouais, bah c'est la bretonnie toujours. C'est vrai que j'ai même pas montré le rechargement des arquebusiers, scandale. Ah, scandaleux, moi j'ai pas montré non plus, j'ai fait la. Je me suis mis en mode caméra avec la charge de cavalerie. Bon, c'est pas le plus pratique pour jouer, mais c'était rigolo. J'avoue. Bah si tu veux me laisser un petit peu de cavalerie ou ouais, autre, bah je vais tu me dis. Te laisser un peu de cavalerie, je pense. Ne serait-ce que pour gérer, tu sais, les chevaliers, tout ça, quoi. Je vais te laisser un flanc avec de la cavalerie. Oh. Est-ce que tu veux le Pégase? Bah je m'en servirai probablement pour aller sniper le vampire si jamais il s'engage pas, si tu me mets les Pégases. Je pense. Ça me va. Je vais me garder un tout petit peu de cave de mon côté pour gérer le chevalier noir de mon côté. Ouais. Comme ça, t'as vu, dès que tu es sur deux flancs, c'est pas forcément agréable d'être sur deux flancs. Puis je vais essayer de les attirer vers la droite, et puis voilà. Ok, bah je vais tenter de contourner du coup. Ouais. Le but, c'est que il fasse un gros pâté de zombies en fait. Je crois qu'ils arrivent vers toi là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se sont dit tiens, c'est là que c'est le plus faible, on va y aller. Ouais, bah je vais charger du coup. Hop. Bon, ils se réalignent juste visiblement. Oh, ils se réalignent, ouais. Et on a directement la formation en lance en plus.
Ouais. Alors fais attention, elle retire un tout petit peu de défense en mêlée. Ouais, mais pour une pure charge, ça reste intéressant. Pour une pure charge, bah c'est du pur bonheur. On va essayer de charger un petit peu, en plus il se met à se déplacer. Bim! Alors bien sûr l'objectif c'est de pas se faire choper par les zombies. Hein. Découvert des unités cachées, ça devrait aller je pense. Ok, on recule un peu. On envoie son seigneur, donc je pense que les Pégases vont pouvoir travailler. Non, il décide de faire demi-tour. Ok. On se dégage. Bon, il a pas fait un gros tas avec ses zombies, mais je les occupe quand même une bonne quantité sur le côté là. Les Pégases, ils ont pas une grosse armure. Ouais, 80 quand même. Ça y est, le moral commence à manger un peu. On peut se détacher. Je suis pas un peu chat de ce côté là, non. C'est les. Beaucoup plus résistant qu'il n'y paraît les ghouls au corps à corps. C'est vrai, je pensais que l'armure ils allaient rien faire mais... Tu commences avec un cheval avec lui, ouais. Ouais. Vraiment je l'ai envoyé sur le seigneur adverse. C'est ce que je vois, je te voyais courir vers moi. Ouais. Alors il y a des unités de ghouls là. Faut qu'on détache ça. Et là ce serait bien qu'ils finissent de crever avec leur effondrement là. Il y a beaucoup de monde qui se pointe, hein. C'est vrai que les saloperies de zombies là. Allez, formation en triangle. Dans le tas. On va faire un petit marteau. Alors, des zombies. Ah, il y a des ghouls là-bas. Oh, c'était quoi cette fausse charge là? Vous êtes sérieux? Ouais, c'est mieux quand même. Bien manger, pareil, on va reculer, charger, c'est bon, il commence à avoir un petit peu d'effondrement. Alors comment ça se passe sur le reste du front? Bon, j'ai pris pas mal de pertes moi de mon côté, mais ce n'est point grave. On va essayer de... On va les faire courir un peu. De s'en sortir. Hop. Non, il fait quoi de beau là? Il arrive à le tuer ou pas? Non, il arrive pas à le tuer, hein. Je pensais qu'il allait le... J'ai envoyé les Pégases aider, mais ouais, il est étonnamment ouais, résistant. Après, il doit certainement se balancer des sorts là de... Ouais, il lance des sorts de régénération aussi. Et la danse macabre. Forcément. Ah, c'est bon, j'ai réussi à faire écrouler les ghouls. Là, j'ai réussi à faire une mini-balls. Allez. Ok, c'est bon, sur le flanc là, tout le monde est en train de s'effondrer, il reste plus que le chef qui fait chier. Il aura pris plus cher que sur ma bataille, hein. C'est vrai que... Ouais, je pensais pas qu'on allait... Enfin, je savais que ça allait être un peu plus dur, mais... Je pensais pas que mes chevaliers allaient prendre autant de dégâts, en fait, venant de ghouls et de... Ouais, je suis assez d'accord, je m'attendais pas à... Je m'attendais à beaucoup plus de temps de tinesse. Ouais, chevalier noir, on fait des dégâts. C'est vrai comme les ont... autres, ils étaient anti-larges, je me suis dit que ça allait vite tuer les chevaliers noirs, mais en réalité, bah. Pas tant. Dès que les ghouls sont rentrés un peu et ont accroché, j'ai pas pu vraiment. Tu sais, refaire des charges. Bah ouais, moi, tu vois, j'ai essayé de me dégager de mon côté et de recharger et tout, ouais. Mais même comme ça, c'était pas gagné. Parce que tu vois, les ghouls qui tuent 26 chevaliers, j'aurais pas cru. 7 chevaliers et tout ça. J'avoue. Non mais c'est bien, comme ça on reprend un peu les factions en main aussi. Hein. Mais je trouve que les paysans bretonniens sont franchement plutôt efficaces hein, au final. Hein. Enfin, pas pour tuer des gens, mais... Pour faire une ligne, ça peut le faire, faudra voir avec les nouvelles, la mise à jour, avec les bonnes bulles de morale.
Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très intéressant. Bon bah écoute. Du coup, assaut, hein. Ouais. Victoire décisive, on va la faire. Normalement, alors, ça devrait être sur un champ de bataille, si je me souviens bien, Oui. avec les mods qu'on a mis. Oui, c'est un champ de bataille. J'ai un petit champ de bataille tranquille. Là, je crois qu'ils n'ont aucune chance de te faire des dégâts. Ouais, c'est ça, il sort se battre. Là, tu vas faire 24 pertes comme tout à l'heure. Le 24 pertes, je trouve qu'il arrive souvent. Ah oui? Tu sais, quand on a des petites batailles comme ça, très asymétriques, surtout en début de jeu, sur plein de factions, j'ai le 24 pertes réglementaire, tu sais, J'avoue que j'ai jamais fait du attention à début. ça. Bon, on va avoir un bon terrain plat. Ça doit être lié à la durée du combat, tu sais, genre le combat dure après le même temps, le temps que les unités s'entretuent, ça fait 24 pertes quoi. Ah oui, c'est possible. Je vais aller par là. On va le mettre sur la petite colline là, les mortiers. Hop, voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Je vais regarder le rechargement des arcs-boutiers. C'est pas pour tout de suite. Non, bah faut déjà qu'ils tirent, ouais. On va les laisser venir, hein, ils viennent, hein, donc. J'ai envie de Ah oui, dire. bah ça sert à rien que je cours dans la pampa pour rien. Alors est-ce que les mortiers ils ont un truc de rechargement du coup? Ah. Ouais. Bah ils font des choses. Ils fouillent les patates quoi. Ils vont la C'est ça, ils recharge fouillent des les patates. patates. Donc en fait c'est pas des mortiers, c'est des patators. C'est des patators, c'est ça exactement. Ah, ça peut faire mal un patator, hein, attention hein. Alors, les mortiers quand ils sont élites. Ah non, c'est quand ça tire. Quand ils sont élites, les mortiers, Ça, quand ils ils ont une rechargent, c'est très bonne beau. précision, je trouve. Alors, en fait, ils font très mal, mais vu que c'est un tir très en cloche, c'est très mauvais contre tout ce qui se déplace, quoi. Ouais, bah disons que ça peut avoir des soucis, ouais. J'ai trouvé un petit trou. Ouf, là c'était une belle charge. Allez, le joueur d'épée. Tac tac, ouais. Désolé, j'ai laissé quelques tirs atteindre tes arquebusiers. Ouais, c'est pas grave, on papotait. Ouais. Ah, attention au mortier, j'ai la cave dans le coin. En déroute là, c'est pas la peine de vous poursuivre. Courez un peu par là. Je vais faire une petite charge dans le dos là pour aider ta ligne. Normalement le moral va pas tenir. Courez. Ouais, je m'attends pas à ce que le moral soit monstrueux. Tournez-vous là, de toute façon il y a un petit mortier qui tombe. Voilà, boum. Arrête de tirer toi. Ah, il y a les archers qui se sont formés si tu veux. Ouais. C'est un peu loin. Mais j'y vais. Alors, on est plutôt bien placé pour les allumer là, de dos. Ah, il y a un Philippe qui revient. Allez, tirez. Voilà, un tir et c'est la débandade. Mais c'est vrai que le mec qui a fait les animations de rechargement, il a dû se marrer quand même. Hein. Ouais, mais je crois qu'il les a pris de quelque part en fait. Oui, c'est possible qu'il les ait peut-être récupérés depuis un autre Mais Total War. Ou... je sais pas, ouais, je sais pas d'où, comment, ou autre. Mais du coup, c'est vraiment bien. Ouais, non, Merci c'est vraiment bien pour fait tout, en fait. les. C'est bien fait.
À Et je trouve 65 que ça fait un pertes. petit côté immersif. On avait un autre qui pouvait être rigolo aussi, j'ai pas pensé à proposer. C'était celui qui donne des effets de fumée énormes en fait. Du coup, ça fait quand tu tires avec les armes à poudre, ça fait une espèce de gros nuage de fumée. Ah bah il y avait ça sur Empire, sur Total War C'est Empire ça. Je me suis dit que c'était et peut-être un peu too Napoléon. much en termes de lisibilité, mais Ouais, ça. Puis je pense que ça doit pas mal tirer sur les ressources aussi. peut-être, ouais, peut-être. Les Accessoirement. nuages volumétriques, enfin, je pense pas que ce soit des nuages volumétriques, mais ça peut quand même, ça peut jouer sur les ressources. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est une ville d'un compte électeur ou pas? Comment ça fonctionne? On gagne une Alors, je crois que gemme c'est de sur ta dragon si. province là. Très bien. Mais il me semble que c'est ma province, ouais. Donc c'est toi le comte. Voilà. Piller, occuper, ok, mettre à sac, raser, nous on va occuper tout simplement. Voilà. Voilà. Moi j'ai ma petite ville aussi à prendre. J'ai pris beaucoup plus de pertes que toi, donc j'espère que ça va aller. Ou alors je recrute quelques unités. Oh, tu peux, hein. Ils sont combien? Bon, ils sont 11. C'est du squelette et du zombie. Ah, je pense qu'on peut le faire, non? 11, oui, avec la cavalerie, il y a moyen, ouais. Surtout s'ils n'ont pas de vampires pour aider. On va gagner deux niveaux avec notre ami, on va prendre marcheur. Ah, ouais, désolé. Oh non, bah y a pas de Peut-être. souci. Zut, pour Je vais lancer l'instant, le voilà. truc un peu tôt. Et je pouvais pas zoomer sur ta bataille, je me disais merde, j'espère qu'on va pas se retrouver coincé. Du squelette, ouais, il a deux chiens, enfin un chien et une chauve-souris qu'on devrait pouvoir gérer. Faudra peut-être laisser. Oh bah remarque, il y a les Pégases qui volent, on les envoie sur les chauves-souris. Ça les empêchera Oui. d'aller chercher les archers. De Les archers. toute façon, je pense qu'ils vont courir vers La nous là, cavale. hein, comme tout à l'heure. Hein. Oui, les loups, de toute façon, ils vont être gérés par la cave, je pense. Parce que même si c'est. Enfin, je veux dire, ça a quand même de l'armure et puis une bonne charge sur les loups, c'est très fragile quand même. Allez, ça Et fera un après, premier gros pour épisode le là. squelette, bon, on verra bien. Et on est lancé comme ça. Y a nouvel épisode? Non, 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 je disais ça fera un premier gros épisode là, mais comme ça on a lancé le truc. On sera Ouais. bien. Ça va être parfait. Bah écoute, je vais te filer la même chose que tout à l'heure, peut-être. Ouais, ça me va. Bah, je vais envoyer les Pégases direct sur les chauves-souris. Comme il n'y a aucun tireur en face, on peut se permettre. Bah oui. Moi, je vais envoyer plus les manqueurs, on va dire. Prendre un peu L'agro. le gros des troupes, parce que lui, il va pouvoir, je pense, tanker sans problème. C'est qui le seigneur ici? Il a mis Ah, son tout à le droite, seigneur est ouais. de ton côté. Ouais. Ouais. Je peux le Bon faire bah écoute, courir un moi je peu. suis Hein. prêt. Hein. Moi aussi. Je peux le Euh, faire je sais courir pas un peu de qui toute va façon. attaquer parce que au final c'est nous qui avons Non, non, c'est nous qui attaquons. il va venir. Hein. Tu vois, je sais pas. Tout à l'heure aussi, il est venu hein, Ouais. sur la bataille avec moi. C'est vrai que ils ont un peu changé l'IA par rapport à ça. Dans le 2, si t'attaquais, jamais à bouger. Ou alors faut vraiment la pilonner avec des armes de siège. Bah là, normalement, elle se base un peu sur la différence de force de tir. Et au final, bah vu que t'es le seul à avoir des archers, les vampires en général, ils y vont direct quoi. Bataille contre les chauves-souris là. Je crois qu'elles font pas le poids. Hein. Bah, franchement, si Chausserie avait tué mes Pégases, j'aurais été quand même un peu. Comment dire. Vexé, Vexé, déçu. oui. J'ai déçu, choqué, déçu. Je serais dire, bon, bah, ce let's play va se passer très très bien. Bon, les vampires toujours hein, avec leur énorme ligne de front, ça change pas. On va aller le menacer un petit peu dans son dos là. Notre seigneur se fait attaquer. No! Loin! Résiste! Les renforts ne sont pas loin. C'est quoi? C'est des zombies, les squelettes sont là. Ah, il est en train de On ose dire ramener que c'est deux le seigneur qui se fait squelettes. attaquer alors que c'est le seigneur qui attaque. C'est ça. Le choix des termes est important. C'est dommage, il ramène un guerrier squelette sur moi. J'avais Il presque prend des envie de dégâts quand même tenter de malgré tout. charger. Bah, je me demande si c'est pas plutôt tes flèches qui font des dégâts, quoi. Vous avez quand même une 40% de résistance physique quand même. Non mais les chiens ça fait beaucoup de dégâts en début de partie, je trouve. Ouais, ils ont la frénésie, ce genre de truc.
Bon, allez, hop. Il est temps d'aller faire un petit peu de marteau là. Et les zombies, c'est terrible, je crois que juste des squelettes. La cave. Voilà, une charge et on a mis la l'unité de général à la moitié avec le l'attaquant triangle, quoi. Ça fait le taf. Allez, on se replie. En ce temps-là, les Pégases ont chopé le dos des autres pendant qu'on les retenait. Alors, est-ce que j'ai un truc à tirer là-bas? Je pense que l'avantage de la Redguard par rapport au Chevalier du Royaume, c'est qu'elle est capable de rester au contact en fait après. Oui. Alors que les Chevaliers du Royaume, leur charge est potable, mais après il faut qu'ils sortent du combat, quoi. Ah oui, la Redguard est une bonne cave, hein, franchement. Bon, après, c'est par la, rapport c'est à la cave ce que j'ai connu. Tier max de l'Empire, hein, donc. Ouais, ouais. Ça joue. Et nous, on a, c'est vraiment marrant, t'as vu, j'ai pas d'unité vraiment d'élite dans l'armée. Parce que même le chevalier de la quête, tu vois, c'est une tier 2 dégueu, quoi. Bon, t'as les Pégases quand même. Pégase, c'est quand même une unité un peu située. Enfin, oui, c'est une bonne unité. Ouais. Oh, c'est du tier 3, quoi. Après, ils font ce qu'ils font, mais. Mais elle est spécialisée, que la Res Guard est vraiment une. C'est robuste, quoi. Ouais, bah la Res Guard, oui, c'est vraiment le marteau, quoi. Ça fait très Karl Friends, quoi. Ouais. Ah, tes chevaliers errants se font dépouiller, là. Faudrait que t'envoies tes lanciers aider à droite, je pense. Attends, ah ça y est, ça vient de tomber, parfait. Ouais, j'avais envoyé les Pégases aider un peu pour que ça tombe, et du coup ça y est, ça a cédé. Je l'ai un peu embêté sur l'autre front. Hop. Hop. Ah, ok, ça commence à s'effondrer, ça y est. C'est bon, il y a tout qui s'effondre, c'est fini. Hop. Propre. Oui. Moi je finis mon café frappé, hein, vous m'en voulez pas. Un petit 45 de perte. Bah tu vois, c'est moins que moi au final. Oui. Ouais, parce que là ils avaient pas d'unité un peu bizarre. Ouais, c'était juste du squelette, et squelette ça vole avec la cave. Et les zombies, bon bah c'est embêtant, mais. Ouais, bah c'est un peu comme les lanciers de base bretonniens, ils sont là pour faire un gros nombre et engluer l'ennemi, quoi, mais le DPS il vient pas de là, quoi. C'est ça. Mais c'était les ghouls qui ont vraiment fait mal, les chevaliers noirs. Les chevaliers noirs, ils ont eu un beau hop, et bah voilà, ça s'est vu. On va s'amuser quand on aura la crise de fin de partie vampire. Bah avec un peu de chance, il aura pas de chevaliers noirs. Il aura chevalier de sang. Ça sera pire. 148 morts pour les Pégases, quand même, c'est propre. Hein. Ouais, c'est vraiment très très propre. J'hésite, est-ce que c'est intéressant de monter toute la chevalerie? Alors, la chevalerie, ça me va m'aider plus tard pour avoir les serments gratuits sans devoir les monter. Bah, ça te donne des gros boosts de campagne aussi, hein, de mémoire. Hein. Ça donne des petits. Ouais, ça donne des boosts de campagne intéressants. Mais après, je peux juste occuper. Parce que Forazé, non, je vais juste occuper. Je rappelle. Bon, en plus c'est ça ta province plus tard, de base. Le coup de rasé. Ouais, c'est ta province de base, donc comme ça tu mets pas de malus de sur ta province de base, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que ça joue aussi sur l'économie maintenant. Bien, bien, bien. Okay, donc, il va falloir que je recrute Dardar des gens. Ouais, pareil, parce qu'au final j'ai deux autres villes à prendre sur ma province de base, moi. Alors déjà, le niveau de Carlfruits. On va prendre Marcheur. Et on a quoi d'autre? Bon, de toute façon il va aller au fight, hein. Donc on va prendre la présence charismatique, tôt dans la partie c'est pas mal, un petit boost d'XP pour les unités. Exactement. Il a quoi comme truc particulier? Le meilleur de l'Empire. 20% de gain d'expérience de l'unité, c'est pas mal. Ah, la championne de la Lady, qu'est-ce qu'elle va donner? Capacité de tempête. Ah, ça a attaqué Bellacor qui vole. Non, Bellacor, est-ce qu'il vole? Bah non, Bellacor il peut pas voler. Non, je crois pas qu'il vole. Non, non, ils volent pas. Je crois que ses ailes ont été brûlées ou un truc comme ça. Hein, c'est Scarbrand, mais je sais pas. Je crois que lui, c'est pareil. Je sais plus. Ah, un petit souffle de minuit, ça peut être sympa. Hop. Un petit debuff de zone. Taux de recherche 10%. Donc je peux recruter directement depuis les troupes des comptes électeurs. D'accord.
Bon, de toute façon, moi, je peux pas pour l'instant, il faut 15 tours, mais ok. J'ai combien de... Est-ce que je construis l'avant-poste chez toi directement? Ah si, je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, je pourrais avoir des unités à pas très cher, mais qui nécessitent pas de paysannerie. Pour moi, ça peut être vraiment un avantage. Ouais, puis c'est vrai que ça va aider aussi directement. Pourquoi je peux pas le faire? Faut absolument que je passe par la diplomatie. Blablabla, nanana, Bretonnie, hop. You ask for a boon. Speak. Ah, on a déjà un accord commercial, tiens. Bâtir un poste avancé à couronne. C'est parti. Donc on est d'accord, on a que ces deux provinces. Là, il y a nul. Ah, ça, ça donne de l'autorité impériale. Parce qu'ils sont fidèles envers moi, c'est ça? Alors, les technologies. Réduction d'impôts, première technologie. Pardon? Excusez-moi. Réduction d'impôts? Eh ben écoute, Karl Franz est comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, par contre, parce que du coup, il commence à être très long. On fera la petite gestion de campagne lors du prochain. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à aller voir la vue de Féa, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut tout le monde.